Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Dans le télégramme, les obsèques de la députée Corinne Hérel à Lannion en présence d'Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian. Nombreux hommages, dit le journal, à une femme remarquable décédée la semaine dernière lors d'un meeting. L'offensive de Google pour convaincre les Français de passer au numérique. Formation gratuite pour 70 000 personnes dans tout le pays. Patron, commerçant particulier, annonce du patron de Google France dans West France. Une image aussi à la une dans la montagne. Celle d'un éléphant en vadrouille dans une zone commerciale de Clermont-Ferrand. Mais si, la bête de 4,5 tonnes a pu s'échapper de son cirque. Il a le droit de faire ses courses. Faut pas le problème. Mais c'est mammouth, c'est pas éléphant. Ah, c'est mammouth. Joli. La balade a duré 2 minutes, heureusement sans incident. L'histoire du jour, c'est une belle petite histoire d'amour. Mais alors, toute petite. Petite comme l'est cette fillette de 4 ans retrouvée sur un rond-point dimanche dernier aux alentours de 7h du matin en Indre-et-Loire. C'est une jeune femme de retour de boîte de nuit qui l'a croisée sur sa route et qui a donné l'alerte. À l'arrivée des gendarmes, la petite fille a expliqué qu'elle voulait rejoindre son amoureux à quelques kilomètres de là. Elle avait donc tout prévu, raconte la Nouvelle République, un sac rempli de jouets, un manteau, ses chaussures, le tout enfilé par-dessus le pyjama. Ne restait plus qu'à quitter discrètement la maison de ses grands-parents où elle passait la nuit. Eux ne se sont rendus compte de rien. La petite fille a plus marché plus d'un kilomètre et c'est finalement à l'école, le mardi matin, qu'elle a retrouvé son amoureux. C'est inquiétant quand même. Oh là là, on s'amusait à l'adolescence avec elle. Oui, ça sent le vécu, Sophie Darmoyer. Bon, on va pas rentrer dans vos histoires personnelles, mais bref.